Excellent départ au deuxième poteau du numéro 10, alors que devant, eh bien, Titanium Gare est déjà quasiment en tête avec le numéro 7, Vasterbo Arthur. Le 3, le 7 et à la corde, on prend l'avantage avec le 2, Aena Christiana. Et 7, 2 et 3. Et comme on pouvait s'y attendre, là, c'est au grand galop et c'est terminé pour MT King of Cash. Le numéro 7, Vasterbo Arthur, a pris seul l'avantage. On notera qu'au deuxième rang, on est très très bien parti avec notamment le numéro 15, Tiger Nover, le peloton qui s'est d'ailleurs déjà reformé. Il n'y a pas trop de rythme dans cette course avec Vasterbo Arthur en tête. Devant le 2, Aena Christiana. En troisième position, il y a Titanium Gare qui va sans doute prendre les opérations à son compte dans quelques instants. Quatrième, le long de la corde, le numéro 4 vis-à-vis. On se rapproche à l'extérieur avec le 5 Borginio. Et on va voir apparaître dans quelques instants le 10 Hauteur et puis Tiger Danover, le 15 ainsi que le numéro 14 Vinochka qui vient très vite à l'extérieur. Oui, effectivement, hein, avec eh bien, ça va très vite. Hein, Vasterbo Arthur en tête. Quelques sulky d'avance. Hein, c'est le 12 aussi qui est hors course. Urbain Jet, Vasterbo Arthur qui reprend, effort de Vinochka, le 3 et 2e, Titanium Gare, et puis Aena Christiana, le 2, ça n'avance plus. Ouais, avec le numéro 3 qui prend tête et corde désormais Titanium Gare, on s'y attendait. En deuxième position, le 7 Vasterbo Arthur. On retrouve bien placé le numéro 2 Aena Christiana avec le 14 Vinochka qui a fait un terrible effort hein, depuis le début. En quatrième position, Vinci Dem avec à son extérieur le numéro 5 Borginio avec Tiger Danover qui vient un peu plus loin, toujours en dehors. On a quitté un peu la piste avec vis-à-vis, semble-t-il, le numéro 4 qui se retrouve à l'arrière du peloton. Voilà, avec il a fait ce qu'il fallait, hein, le plus dur peut-être. Titanium Gare, tête et corde devant le 7, Vasterbo, Arthur, Vinochka, ensuite Borgino dans la corde, Aena, Christiana, Tiger, Danover, le 15 et 6, 7e avec Gossip, Sydney dans la corde, derrière le 6, Vincidem. Un peloton qui tend à se reformer quelque peu. On a l'impression que Hugo Langeweg a repris Titanium Gare. En deuxième position, il y a toujours Vasterbo Arthur. Troisième, long de la corde, Aena Christiana. À l'extérieur, Vinochka. Ensuite, dans son sillage, Borginio. Dans le sillage de Borginio, il y a Hauteur. Et dans le sillage de Hauteur, on retrouve Tiger Danover. Rue de Leroux également n'est pas trop mal actuellement. Plutôt le long de la corde, en 9-10e position, avec à son extérieur le 13 ultimo du Douai. Et Gossip Sydney qui se retrouve un petit peu loin tout de même. Alors qu'on va entamé. Le dernier tour, c'est fait d'ailleurs pour le 3 Titanium Gare. Vinochka très sollicité, qui ne tourne pas, qui n'en veut plus. Le 7 est deuxième devant le 2, Aena Christiana. L'effort de Borginio maintenant. Le 5 devant le 6, c'est Vincidem. Et puis le 10, Hauteur. Les favoris, eh bien, Elfien Tiger, Danover, Rue des Roues, le 13 aussi est là. Maintenant, c'est Ultimo du Douai. Il envoie maintenant Hugo Langeweg avec Tiger Danover. On va avoir du mal à revenir sur lui, même si on déboîte depuis les derniers rangs avec quelques concurrents. Mais Tiger Naver semble au-dessus du lot actuellement, même si dans son siège il y a toujours le numéro 7 Vasterbo Arthur. En troisième position, Borginio. Ça ne revient pas de l'arrière avec le 10 Hauteur. On n'a pas déboîté du siège Hauteur avec Tiger Naver. Dans le siège de Tiger Naver, il y a toujours le 13 Ultimo du Douai et Dalanissia qui vient tout au large. Exactement, attention, hein, il est bien parti. Hein, le favori Titanium Gare qui semble inapprochable. Le 7, le 5 Borginio, ensuite Tiger Naver, le 10 et puis encore tout en dehors Dalanissia qui progresse hein, pour la prochaine fois sans doute. C'est gagné pour Titanium Gare. Gare le 3 devant le 7 ou Borginio le 5, le 3 7-5, ensuite le 15 et puis le 16 voire le numéro 13, en tous les cas c'est gagné pour le 3 devant le 7, ensuite le 5, le 13 et le 15, et le 15, et le 15 devant le 9. On n'a pas vu le même Tiger Danover que d'habitude, en revanche Titanium Gare n'en restera pas là, vous l'avez vu une nouvelle fois. Très belle victoire du pensionnaire Hugo Langeweg. Le 3 qui s'impose devant le 7 Vasterbo Arthur. On l'avait dit avec Liven, attention, bel engagement. Il prend une bonne deuxième place. Super bien, hein. Troisième place pour le 5 Borginio. Bien qu'il ait été très nerveux avant le départ, il prend cette troisième place. La quatrième place pour le 13 Ultimo du Douai qui va faire s'envoler les rapports du multi. 3, 7, 5, 13 et 15. Voilà pour cette septième course, Laurent.